Ce soir, on est à l'église Saint-Jean-Baptiste pour la remise des prix Gravica 2013. Pour sa 16e édition, le concours qui récompense annuellement le meilleur design graphique au Québec s'est renouvelé. En effet, cette année, c'est 100 projets, toutes catégories confondues, qui sont récompensés, dont 15 d'entre eux qui se méritent les honneurs de Grand Prix et un ultime qui se mérite le Grand Prix Gravica 2013. Autre nouveauté cette année, comme vous pouvez le voir, on n'est pas au Métropolis cette année, lieu mythique des 10 dernières années, mais bien à l'église Saint-Jean-Baptiste, au coin des rues Drolet et Rachel. Pour la nouvelle édition, on avait envie d'un lieu un peu plus indie, un peu plus inusité. Les personnes commencent à arriver derrière, donc on va en profiter pour aller recueillir les commentaires de quelques-uns d'entre eux. Allons-y! Sean, bonjour. Tu étais président du jury cette année. Dis-moi, parle-moi un peu de la cuvée 2012. La cuvée 2012 est assez impressionnante. Cette année, je suis très fier de ce qui est sorti là, de nos délibérations. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti, une tendance quelconque que tu as remarqué dans les soumissions cette année? Cette année, je trouve qu'il y a beaucoup de variétés. Il y a des styles différents. On dirait qu'on revient un peu à la terre. Handmade, handcraft. On sent moins l'ordinateur. On sent vraiment plus que les gens ont mis leurs mains à la pâte. Karim, wow! Heureux? Ben ouais, très, très heureux. Je suis un peu surpris, choyé, fier. C'est un projet qui m'a tenu à cœur, puis je suis très content. Combien de temps vous avez mis à bâtir ce projet-là? Un mois et demi de construction de bois, de vis, de clouage, de cordes. Puis après ça, un bon quelques jours de tournage, puis un peu de post-production. Un bon deux mois. Nicolas, comment tu as trouvé la nouvelle formule cette année? C'était génial. Je pense que l'église était super belle. Puis c'était beaucoup plus bref, beaucoup plus beau. La soirée va être réussie, je suis persuadé. La soirée des remises de prix Gravica qui se passait à l'église est terminée. Maintenant, on fait place à la fête à l'espace Infopresse. Pour ceux qui n'étaient pas là à la remise de prix, tous les résultats sont dans le magazine Infopresse de février-mars qui est présentement en kiosque. Comme il fait vraiment, vraiment froid, ben je vous laisse là-dessus. À bientôt. Salut! We'll be right back.